Encourageons-la, s'il vous plaît.
De quelques articles seulement du code de l'académie et cela ne concernera que les candidats au mariage. Et enfin, la dernière étape consistera à recevoir leur consentement. Ils vont nous dire oui ou non au mariage. Monina Bali, voilà, soyez tous attentifs et vous ne serez pas déçus. Monsieur le maire, vous avez. Merci. Est-ce qu'on peut. Le chef, s'il vous plaît. Posons le bas. Est-ce que tout le monde a joué au grand? D'accord, faites vos réponses, tout le monde est présent. Donc, il y a bien. La cérémonie officielle, solennelle. La joie, comme on dit, me cache. Est-ce que vous avez un guélon, un vinet, un vasali? 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 Là, il y a un vasali.
Comme vous le savez tous, ce dimanche est un dimanche particulier, un dimanche exceptionnel parce que nous serons, vous serez témoins d'un grand événement. Un événement qui, à mon sens, est le plus important de la vie de l'homme sur la terre. Un jour, si on vous posait la question de résumer la vie de l'homme, vous ne le ferez que par trois choses. L'homme naît un jour, il se marie un jour et va mourir un jour. Quels sont les événements les plus importants de la vie de l'homme? Et de ces trois événements, celui qui nous réunit aujourd'hui est le plus important et le plus capital, le mariage. Le mariage est plus important que la naissance. Le mariage est également plus important que la mort. Vous allez peut-être vous mettre d'accord avec moi. Autant que nous sommes réunis ici, personne ou aucune famille n'a choisi la date de naissance de leur enfant. Mais si c'est une famille qui est à la région, on va pouvoir avoir la bonne date à l'autre. On est dans la vie, on s'en va sur le lieu. Aucune famille n'a ce pouvoir. Également, famille Mongo et Sanarate, Bapoula, Mwanambango, Tony de Kambango, Mukula Mokoufa. On ne fait pas une réunion, on ne prend pas une disposition pour préparer la disparition à une certaine date de quelqu'un. C'est pour un mariage, pas ça la mariage. Pour un mariage, pas pour une date. Dis-moi ce que nous avons, nous appelons papa, nous appelons maman, la vérité, nous appelons maman, la vérité, et moi aussi, appelons la vérité, et Bali, appelons la famille, appelons la vérité. Et donc, à nous, les amis, les gens, nous sommes maman, nous disons, nous avons tout le monde, nous avons la vérité, nous avons la vérité, ça change. Ça tout change. Et moi, je suis au produit, on va aller au produit, et ça change la vérité. Et mes chers amis, Libala et l'année au cours de la madame, de l'économie, Mouetama, ma première volonté, Ufa, ma première volonté, Libala, ma première volonté, 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 pour nous rendre vivre en humain. C'est pour vous dire que le mariage est la plus importante et la plus merveilleuse chose qui puisse arriver à l'autre. Je voulais, avant de commencer, rappeler à tous et à chacun l'importance de la cérémonie qui nous réunit ce jour. Conformément à la loi, l'officier d'état civil ne peut célébrer un mariage pour lequel la dot n'aura pas été versée. Également, un mariage pour lequel les parents de la femme comme du futur époux n'auront pas consenti. Nous allons vérifier, conformément à la loi, si les parents de nos deux candidats au mariage acceptent que leurs enfants s'épousent dans le mariage. Et dans un second temps, nous allons nous adresser à la famille de mademoiselle Julienne si elle accepte que leur fille soit prise en mariage par M. Dior. Sans plus tarder, nous invitons messieurs ou son représentant, Lusanga Tembe Mambo. Félicitations. Il est là. Je peux le voir, il vient de m'envoyer. Papa, félicitations. Félicitations. Madame Kulunga Naya Gondi. Monsieur et madame, vous êtes renseignés comme les parents de mademoiselle. Vous la connaissez? C'est qui? Papa, vous répondez pour les défendre. Maman, vous avez bien dit. Oui, vous avez bien dit. Nous sommes à Vignelle. C'est votre fille, vous confirmez? C'est ma fille cadette. Vous avez reconnu Monsieur Félicien. Monsieur Delors, devant moi, devant vous,
que vous devez reconnaître. Vous le connaissez aussi, de monsieur qui est assis aux côtés de votre fille. Son nom, c'est...